Hier, il y a un dossier qui a été dévoilé. C'est apparemment le monsieur Langlais qui est le patron d'Africom. Deux jours, je crois, ou 24 heures avant le coup d'État, il est parti pour rencontrer Ouattara et Ouattara ne l'a pas reçu. Il n'a pas voulu le recevoir. Apparemment, les Américains étaient au courant que quelque chose était en train de se préparer au Niger. Et c'est pour ça que les Américains aussi, ils ne veulent pas se mettre côté français. Parce que Ouattara, s'il n'a pas répondu, et ça, c'est par la presse arabe hein, que j'ai eu cette information, c'est parce qu'il avait appelé Macron et Macron lui a l'Élysée et l'Élysée lui a dit il ne faut pas le recevoir. Donc déjà, il y a un contentieux qui apparaît entre les États-Unis et la France de cette histoire-là du coup d'État. Et c'est pour ça que les Américains, ils ont dit, c'est-à-dire... Le gouvernement américain avait dit il faut laisser ce coup d'État se faire et il faut surtout pas le stopper. Donc et ça le rapport va encore plus loin puisque les Américains ils disent aux Français vous êtes têtus et alors que vous êtes finis finalement en Afrique mais vous ne voulez pas prendre conscience que ça fait des années qu'on vous demande de changer votre politique. Donc ça va être l'effet domino. Et le rapport s'est arrêté avec ça. Oui, ils ont dit, vous êtes, les Français sont bornés et têtus. Voilà. Il n'y a pas de politique de l'autruche. Les Américains se sont prononcés dès le départ. Dès le départ, ils se sont prononcés. Ils ont dit, d'ailleurs, je rappelle encore l'événement, dès qu'il y a eu ce coup d'État, le Premier ministre algérien est parti aux États-Unis. Donc, il a rencontré Blinken et puis l'annonce a été faite conjointement concernant le coup d'État. Et puis, les deux pays préféraient que les choses se règlent avec une voie diplomatique. Et de l'autre côté, nous avons vu le chef d'état-major algérien qui est parti en Russie, qui a passé, je crois, 5 jours, si j'ai une bonne mémoire là-dessus. Donc, il y a eu ces deux déplacements. Ça a fait l'équilibre, d'ailleurs, dans cette histoire. Que craignent les Américains aujourd'hui? Et j'ai toujours soutenu que le Niger était américain, que ça fait longtemps que la France avait perdu son hégémonie. La France avait quelques éléments, c'est tout. Et c'est des éléments, voilà, dès que l'armée a bougé, les éléments de la France ont bougé également. Donc les Américains, qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent que s'il y a un vide, eh ben le vide sera remplacé par la Russie. Parce que au départ aussi, la première semaine, les Américains ont fait une deuxième annonce. Ils ont dit au départ, on pensait que Wagner était derrière le coup d'État, voire même la Russie, mais finalement non, ce coup d'État n'a rien à voir avec l'implication de la Russie, voire Wagner. Ça a été dit par les Américains eux-mêmes, par des officiels. Donc les Américains, dès qu'ils ont constaté que ce coup d'État n'a rien à voir avec les Russes, ils ont tout de suite voulu eux-mêmes remplacer le départ définitif de la France. Ils savent très bien que la France est finie et Bazoum est fini et Bazoum ne reviendra pas. Donc l'élément clé de la France, c'était Bazoum et puis Bazoum, c'en est fini. Donc les Américains, il n'y a pas eu un mutisme de leur part. Au contraire, ils se sont prononcés, ils ont bien parlé. Il y a eu plusieurs intervenants. Hein. Peut-être qu'à force qu'il y ait trop d'informations tue l'information, justement, tout le monde parle, tout le monde aborde le sujet Niger, mais à côté de ça, on peut passer à côté de certaines déclarations qui sont très importantes d'ailleurs. Donc les Américains, pour le moment, ils ne bougent pas. Ils ont nommé une ambassadrice qui n'a pas encore pris ses fonctions. Mais on remarquera que depuis le début, les Américains n'ont pas parlé de coup d'État. Tout ce qu'ils disent, c'est que ils parlent de anticonstitutionnel ou une sortie de la Constitution, ne pas respecter la Constitution. Mais le mot coup d'État lui-même n'a pas été employé une seule fois. Pour la simple raison que dans la loi américaine, à partir du moment où il y a coup d'État, eh ben, on ne travaille pas avec ce gouvernement-là qui s'est mis en place. Mais c'est ce qu'ils veulent éviter.
tout ce qu'ils veulent, c'est garder leur les contrats qu'ils ont avec le Niger. Pourquoi j'ai toujours soutenu que le Niger devenait très important par rapport aux Américains et que le Niger n'était plus français? Les Américains ne sont pas intéressés par l'uranium, pas plus qu'un autre pays qui peut-être voudrait acheter ou voudrait investir dedans. La base de drones qu'il y a au Niger, c'est la plus grande base de drones qui existe dans le monde. Et à partir de cette base, eh ben, les Américains, ils ont une vue sur toute l'Afrique subsaharienne, sur la mer Rouge, c'est plus une base, disons, d'espionnage qu'autre chose. Tiens, hier, côté Algérie, il y a un drone qui a été abattu. Apparemment, il nie que c'est le leur, mais je vous donne un exemple. C'est à partir de là que les Américains arrivent à avoir les yeux un peu partout. Et c'est ça qu'ils n'ont pas envie de perdre. Parce que si jamais ils le perdent, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer. La nature n'aime pas le vide dans la géopolitique. Donc, on l'a bien vu en République centrafricaine, on l'a vu au Mali, au Burkina, même on parle très très peu de la Guinée. La Guinée, la France a été remplacée par les Chinois par exemple. Donc si jamais les Américains braquent le peuple nigérien, au lieu qu'il y ait des pancartes France dégage, ça va être USA dégage. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Alors, malheureusement, on a l'impression qu'on est en plein dans USC dégage, parce qu'il y a eu, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mes propos liminaires, des manifestations, du moins pour s'opposer à la mise en place, à la présence des bases militaires américaines du côté du Niger, et on ne s'est peut-être pas compris. Oui, il y a certes pas un mutisme, mais il y a quand même une politique, du moins une démarche assez douce des États-Unis sur le cas nigérien. On n'est pas dans une dynamique de guerre comme c'est le cas avec la CEDAW notamment, mais aussi la France. On a une politique beaucoup plus soft power de la part des États-Unis, qui ont même d'ailleurs commencé à renouveler certains officiels américains du côté du Niger, ce qui n'est pas le cas de la France, qui a même d'ailleurs refusé que l'ambassadrice du Niger en place du côté de la France puisse notamment céder son fauteuil. Alors, il y a quand même que entre puissances coloniales, on n'est pas du même avis, du moins on n'a pas un même angle de traitement sur le cas nigérien, ce qui laisse quand même croire que les États-Unis souhaiteraient peut-être un positionnement stratégique sur le cas du Niger. Vous dites tout à l'heure que les USA ne lorgneraient pas l'uranium nigérien, mais d'aucuns s'interrogeraient donc pourquoi avoir décidé d'investir autant sur les équipements militaires, notamment par la mise en place de ces bases militaires du côté du Niger. Est-ce que Et vous l'avez convoqué, cette loi américaine qui interdit notamment toute coopération américaine avec un État ayant subi un coup d'État. Est-ce que finalement ces manifestations qui commencent à se multiplier pour dénoncer aussi la présence militaire américaine du côté du Niger ne va pas pousser cette fois-là à bout les États-Unis qui eux également seront frappés par cette loi-là, c'est-à-dire obligés de rompre militairement avec le Niger? Je pense que ça, moi, là, par contre, je vous donne mon avis par rapport à tout ce que je sais sur ce dossier. Je pense que les États-Unis ne seront pas touchés. Ils ne seront pas touchés parce que, souvenez-vous, et j'avais même envoyé les articles à Afrique Média quand il y a eu sur Washington Post un schéma montrant tous les, et il y avait des points rouges sur toute la carte du monde et qui montraient les endroits où les peuples soutenaient les Russes et ils étaient anti-américains. Et le lendemain, nous avons eu New York Times le lendemain qui a fait un article en disant, ils ont même, je dirais même, c'était presque un appel à la population américaine pour dire comment on peut blanchir notre image dans le monde. Les Américains apprennent de leurs erreurs, contrairement aux Français, parce que je vais venir à quelque chose qui a été dénoncé hier. Donc, les Américains veulent revenir sur le continent. Il y a eu ce sommet qui a pratiquement échoué entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a eu trois présidents américains qui ont voulu travailler avec l'Afrique, mais ils n'ont pas su faire. Alors,
Obama, c'était le pire parce que lui, il a marché dans une guerre qui contre Kadhafi, et on voit bien ce que ça a donné, et c'est ça qui a touché justement les Américains côté africain. Aujourd'hui, ils essayent de blanchir leur image. Je me dis, attention, il faut qu'on soit clair.